Alors, bonsoir à tous, bienvenue donc ici dans la maison de Rousseau et la littérature. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour cette 9e et donc dernière soirée de notre cycle de lecture estivale L'auteur s'amuse. Le cycle donc s'interrompt ce soir, mais bien sûr les lectures continuent à la MRL. Et je fais juste une petite parenthèse pour vous dire que le mardi 17 septembre, nous changeons d'univers. Nous allons accueillir deux auteurs africains qui sont Borsier Rougamba et Roland Rougéro, deux écrivains qui ont survécu au génocide rwandais et qui écrivent donc sur la mémoire. Ils viennent dans le cadre d'un partenariat avec le festival de traduction Babel qui se déroule au Tessin. Mais donc revenons à notre cycle de lecture L'auteur s'amuse. Donc voilà, durant tout l'été, nous avons accueilli des auteurs tous très talentueux qui sont venus avec leur univers, qui nous ont vraiment fait partager à la fois leurs derniers écrits et des textes non publiés encore. Et tous ces auteurs avaient donc la particularité d'être édités ici à Genève. Cette collaboration avec les éditeurs genevois du Cercle de la librairie et de l'édition nous ont permis non seulement de mettre en avant le riche catalogue de ces éditeurs, mais aussi d'entendre ces auteurs lire leurs propres textes et nous parler de leurs sources d'inspiration. Et voilà, à chaque fois nous avons eu la chance d'avoir un public attentif et curieux. Il y a eu des gens qui venaient régulièrement et ça nous apprécions particulièrement. Après donc avoir reçu les romanciers, dramaturges ou poètes, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Florian Aiglin, qui nous présente donc son premier roman, sorti de presse il y a une semaine, deux semaines, je crois, notamment tout juste, et qui fait déjà beaucoup parler de lui. Et avant de nous exposer ses muses personnelles, il nous lira donc des passages de son roman qui s'appelle « Cette malédiction qu'on ne tombe pas si mal » que j'ai pu apercevoir brièvement en bas, et donc qui est publié aux éditions La Baconnière. Pour représenter les éditions La Baconnière, nous accueillons ce soir Laurence Gudin, la directrice des éditions, et je vais lui laisser la parole tout de suite en fait pour nous présenter à la fois l'auteur de ce soir et sa maison d'édition. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée et bonne découverte. Merci. Alors, bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus. Et je suis donc la nouvelle directrice des éditions de la Baconnière, que j'ai repris il y a un an et demi, mais c'est une très ancienne maison d'édition suisse, neuchâteloise à la base, qui est née en 1927, juste à côté de Neuchâtel, à Boudry, et qui a eu des heures de gloire, notamment à l'après-guerre et pendant la Deuxième Guerre mondiale, puisque elle a eu une collection extrêmement renommée qui s'appelait la collection des Cahiers du Rhône et qui a publié tous les poètes français qui ne pouvaient pas publier en France à cette époque. Et donc Aragon a publié là, Supervielle a publié là, j'en passe vraiment, Éluard également a publié. Et ça a été une maison d'édition qui a été extrêmement importante pour la vie intellectuelle suisse pendant le XXe siècle. Et à la fin des années 80, malheureusement, pour des raisons économiques, elle a dû être vendue à un groupe qui a décidé de la sauver, mais qui n'en a rien fait. Et donc pendant 15 ans, cette maison d'édition n'a rien publié. Et j'ai repris ça il y a un an et demi, donc, pour essayer de continuer à faire vivre le fond de la Baconnière, qui est une chose extraordinaire. Vous allez voir refleurir les fleurons de la littérature du XXe siècle, et continuer la démarche très intellectuelle, donc avec pas mal d'essais, des essais littéraires, des essais historiques. Et puis ouvrir cette maison d'édition à quelque chose qui m'est très cher, qui est la littérature, donc le romancé, et avec un pan de littérature traduite et un pan de littérature francophone. Avant de rencontrer ce cher Florian Aiglin, je n'avais pas d'auteur vivant, donc j'en cherchais. En plus,
venu me voir au Salon du Livre pour faire un stage à la maison d'édition. Et j'ai travaillé, j'ai eu la grande chance de travailler avec lui pendant 2 mois. Et il m'a absolument rien dit, il m'a pas dit qu'il écrivait, rien, j'ai rien su. Et le dernier jour, il m'a vraiment dit que oui, il écrivait un blog. J'ai été voir, j'ai adoré son blog, j'ai trouvé qu'il y avait des choses absolument fabuleuses, très drôles. Et bref, de fil en aiguille, il m'a dit qu'il était quand même en train de travailler sur un roman, tiré en partie de ce blog. Et ce blog s'appelait Le Journal d'un con, il vous en parlera, avec son grand personnage, Solal Aranovitch, que vous allez retrouver, parce que c'est le premier livre, mais vous allez le retrouver. Attendez un petit peu. Et donc, Florian est enseignant. Voilà, ça c'était pour le côté catastrophique. Donc Florian est enseignant, c'est, il signe avec cette malédiction qui ne tombe finalement pas si mal, son premier roman, et qu'il a d'ailleurs sous-titré « Roman brutal et improbable », vous allez comprendre pourquoi. Et c'est un auteur extrêmement prolixe, il faut le retenir, il a tendance à écrire, il bouillonne, il écrit, donc il roule de l'éditeur en face et de le retenir le plus possible pour éviter que ça déborde et que finalement plus personne ne puisse lire un pavé. Mais c'est un auteur que j'apprécie énormément de par son style. Il a un style, vous allez voir, très particulier, extrêmement drôle et qui est entre un style très classique, assez épique, je dirais même, et un style extrêmement moderne dans le choix de ses sujets, dans la façon dont il traite ses personnages, et surtout son personnage principal. Donc je pense qu'on ne s'ennuie pas quand on lit Florian. D'ailleurs, la première mouture de son roman, je l'ai lu à peu près en 2 jours. Et donc c'est presque un roman policier, hein. Disons, en tout cas, il y a énormément d'intérêt dans le développement de son personnage principal qui va se retrouver dans d'autres livres. Et c'est aussi ça que j'apprécie beaucoup chez Florian, c'est que c'est un vrai écrivain. Il a décidé maintenant de consacrer une grosse partie de son temps à écrire. Et il est en train de publier donc son premier livre, mais il a déjà le deuxième qui est partiellement ou presque entièrement écrit. Et donc il a vraiment cette envie et ce débordement de mots, d'énergie pour dire quelque chose. Donc voilà, je vais lui laisser la parole. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci. Merci à mon éditrice pour tout ce qu'elle a dit sur moi. J'ai pas la pression du tout maintenant. Il paraît que je lirai très bien. Alors, je sais pas. Maintenant, j'ai fait une sélection de passages. On verra ce que ça donne. Alors, écoutez, Florian s'amuse, c'est ça le titre. Alors, ça commence peut-être par une déception, mais quand j'écris, je m'amuse pas du tout. Ça, je dois le reconnaître. J'ai beaucoup de satisfaction. J'allais dire du devoir, mais c'est un peu une déformation professionnelle malheureusement, mais ouais, je sens maintenant que je dois le faire, et quand une journée d'écriture est accomplie, voilà, c'est bien, j'ai bien travaillé, mais je ne me suis pas amusé, parce que c'est quand même pas facile, il faut être concentré, et puis même quand j'arrête, quand je fais autre chose, je range dans l'appartement, il y a toujours un fil que je poursuis, et voilà, c'est pas un amusement, mais quoi qu'il en soit, je vais essayer de vous emmener avec moi à la recherche des muses et de ce qui m'a inspiré. Mais avant de commencer, je me suis dit, à tout seigneur, tout honneur, j'ai fait un peu d'archéologie à la maison, j'ai retrouvé les rêveries du premier solitaire qui remontent à mon époque, aux années du collège, et je commence par une confession, je n'ai jamais aimé Rousseau. Ça a toujours été assez compliqué, en particulier au collège. Néanmoins, dans les rêveries du premier solitaire que j'avais quand même quelque part apprécié, il y a un passage que j'avais retenu, et je vais vous le lire. Et puis, ce passage, ensuite, je vais le mettre en lien avec Solal. Alors,
on n'est pas à l'école, donc c'est moi qui vais le forcer, qui vais tirer des liens, c'est justifié ou pas, je ne sais pas. Et en tout cas, c'est moi qui vais faire les liens. Alors, les rêveries du premier solitaire, deuxième promenade. J'étais sur les 6 heures à la descente de Ménilmontant, presque vis-à-vis du galant jardinier. Quand des personnes qui marchaient devant moi, s'étant tout à coup brusquement écartées, je vis fondre sur moi un gros chien danois qui, s'élançant à toutes jambes devant un carrosse, n'eut pas même le temps de retenir sa course ou de se détourner quand il m'aperçut. Je jugeai que le seul moyen que j'avais d'éviter d'être jeté par terre était de faire un grand saut si juste que le chien passa sous moi, tandis que je serais en l'air. Cette idée, plus prompte que l'éclair et que je n'eus le temps ni de raisonner ni d'exécuter, fut la dernière avant mon accident. Je ne sentis ni le coup ni la chute, rien de ce qui s'ensuivit jusqu'au moment où je revins à moi. Il était presque nuit quand je repris connaissance. Je me trouvais entre les bras de 3 ou 4 jeunes gens qui me racontèrent ce qui venait de m'arriver. Le grand chien danois, n'ayant pu retenir son élan, s'était précipité sur mes deux jambes et, me choquant de sa masse et de sa vitesse, m'avait fait tomber la tête en avant. La mâchoire supérieure portant tout le poids de mon corps avait frappé sur un sol très raboteux. Et la chute avait été d'autant plus violente qu'étant à la descente, ma tête avait donné plus bas que mes pieds. Bon, grosse, grosse chute. Je saute un petit passage. La nuit s'avançait. J'aperçus le ciel, quelques étoiles et un peu de verdure. Cette première sensation fut un moment délicieux. Je ne me sentais encore que par là. Je naissais dans cet instant à la vie. Et il me semblait que je remplissais de ma légère existence tous les objets que j'apercevais. Tout entier au moment présent, je ne me souvenais de rien. Je n'avais nulle notion distincte de mon individu, pas la moindre idée de ce qui venait de m'arriver. Je ne savais ni qui j'étais, ni où j'étais. Je ne sentais ni mal, ni crainte, ni inquiétude. Je voyais couler mon sang comme j'aurais vu couler un ruisseau, sans songer seulement que ce sang m'appartint en aucune sorte. Je sentais dans tout mon être un calme ravissant, auquel, chaque fois que je me le rappelle, je ne trouve rien de comparable dans toute l'activité des plaisirs connus. Ça, c'est pas rien comme confession. Alors, je saute un long passage. Voici ce que je sentis et trouvai le lendemain. J'avais la lèvre supérieure fendue en dedans jusqu'au nez. En dehors, la peau l'avait mieux garantie et empêchait la totale séparation. 4 dents enfoncées à la mâchoire supérieure, toute la partie du visage qui la trouve extrêmement enflée et meurtrie, le pouce droit foulé et très gros, le pouce gauche grièvement blessé, le bras gauche foulé, le genou gauche aussi très enflé, et qu'une contusion forte et douloureuse empêchait totalement de plier. Alors voilà, donc, gros accident pour Jean-Jacques. Si j'ai choisi de manière totalement arbitraire de vous lire ce passage aujourd'hui, c'est parce que je choisis d'y voir le surgissement de la violence. Et vous l'avez vu, et vous, ou bien vous le verrez si vous n'avez pas encore lu le livre, il y a beaucoup de violence dans Solal Arnovitch. Et je n'avais pas décidé, quand je me suis mis à écrire, je vais écrire un roman violent, ça va saigner, ça va être brutal, il y aura des morceaux d'eau partout. Non, j'ai pas décidé ça, mais ça s'est vraiment imposé à moi. Alors je dirais pas que cette violence m'a heurté de plein fouet comme le chien l'a fait avec Rousseau, mais ça s'est plus ou moins imposé à moi et j'ai dû faire avec. Donc il y a dans cela, tout comme dans ce passage-là, un surgissement de violence qu'on ne peut pas éviter. Ce qui est intéressant, c'est que, alors, ce surgissement de violence donne lieu à des descriptions assez détaillées des blessures. Là, c'est une grosse blessure. Il a plein de contusions, les dents sont enfoncées, et dans Solal, des descriptions de blessures, il y en a pas mal. Alors, c'est souvent à l'intérieur, mais ça laisse des sacrées cicatrices sur le corps. Dans Solal, on décrit les blessures du personnage, des blessures qui sont bien plus graves que celles-ci. Et puis surtout, le moment juste après, quand le sang a coulé, quand on revient à soi, c'est un moment où on revient à la vie. Et donc du coup, j'en reviens à ce que tu as dit, tu es enfin un auteur vivant, et je pense à mon personnage, et je pense que vraiment la question se pose, est-ce qu'il est vivant après tout ce qu'il a subi? Est-ce qu'il est vivant? En tout cas, pour faire le lien avec ce que j'ai lu, dans le jaillissement de violence qu'il y a dans ce LAL, il y a un certain plaisir. Il y a un plaisir à infliger la violence, et peut-être un certain plaisir à la recevoir. Je ne pense pas que Karanovitch soit masochiste, mais il aime bien lécher ses blessures et les montrer. D'ailleurs, il y a un passage où il met ça en spectacle, il montre ses cicatrices, etc. Donc, il n'y a pas un de ça. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle je voulais lire ce passage-là. Et puis, bon, alors, bien sûr, il y a d'autres parallèles, peut-être plus évidents. Il y a la question de l'écriture de soi. J'ai commencé par un blog, d'accord, mais je reviendrai là-dessus après.
Alors, voilà, ensuite, ce que j'aurais voulu vous dire par rapport à mes sources d'inspiration, c'est que c'est tout simple. La première et la plus importante d'entre elles, c'est le nom de mon personnage. À partir du moment où j'ai commencé à tenir un blog, en 2008, le titre du blog, c'est le blog de Solal Aronovitch, Journal d'un con. Et donc, d'entrée de jeu, même si au début, les premiers articles, c'était des articles qui me concernaient de très près, je parlais de ma vie, je parlais de... c'était mis plein, bref. Je ne lirai aucun passage du blog, parce que je trouve ça maintenant totalement indécent et presque un petit peu répugnant, donc bref. Voilà, mais c'était là, c'était très personnel, mais d'entrée de jeu, il y avait un être fictif, c'était Solal Aronovitch. Tout de suite, il a été là. Et le nom de ce personnage, que j'ai mis un petit moment à trouver, m'a beaucoup inspiré. Alors, pourquoi Solal Aronovitch ? Aronovitch, c'est le nom de jeune fille de ma grand-mère maternelle, donc qui est issue d'une famille juive immigrée en Suisse dans les années 20. Et Solal, ben, bon, vous savez tout ce qui est Solal, c'est le personnage central de l'œuvre extraordinaire d'Albert Cohen, qui lui aussi est juif. Alors, du coup, ce nom, Solal Aronovitch, c'est un pont entre l'histoire personnelle et puis la fiction, la grande fiction, la fameuse fiction. Ce qu'elle est un petit peu gênant, et c'est une autre confession, il y a un article aujourd'hui qui est sorti dans l'Hebdo qui disait que mon personnage devait beaucoup à Albert Cohen. Alors, je reconnais ici et maintenant devant tout le monde qu'avant d'avoir terminé l'écriture de Solal Aronovitch, je n'avais jamais lu Albert Cohen. Et que je me suis dit que c'est quand même un scandale. Et donc j'ai lu ce printemps, j'ai lu Solal, j'ai lu Les Valeureux, et puis il y a maintenant sur une étagère Belle du Seigneur qui m'attend. Mais le nom de Solal est un nom qui m'a toujours fasciné. Je trouvais qu'il avait quelque chose de solaire, de sombre en même temps. Et j'ai, d'entrée de jeu, j'ai décidé que mon personnage devait s'appeler comme ça. Alors, en l'occurrence, une fois que le texte de Cohen a été lu, j'ai glissé quelque part une allusion plus ou moins évidente à Solal des Solal, qui passe quelque part et qui fait une sorte de clin d'œil à Solal Aronovitch, ma foi. Bon. Est-ce que cette allusion est évidente ou pas, je ne sais pas. Mais lecture faite, j'ai l'impression aussi que Solal est une espèce de version mon Solal, une version sombre, assurée, beaucoup plus dramatique que celle de son illustre et indépassable prédécesseur. Mais ce système de faire le lien entre l'histoire personnelle et puis l'histoire familiale, c'est un système auquel je tiens beaucoup parce qu'il y a dans le livre un autre personnage qu'on ne voit pas beaucoup grâce ou à cause des coupures qui m'ont été imposées par mon éditrice. Et donc vous ne savez pas et vous ne saurez pas à quel point il est important, enfin pour l'instant en tout cas, et qui s'appelle James Gontier. Et Gontier, c'est le nom de jeune fille de ma grand-mère paternelle. Et James, voilà, je ne vais pas revenir là-dessus, enfin je reviendrai dessus après, mais c'est de nouveau évident que c'est un nom qui fait appel à un autre type de fiction cette fois-ci, beaucoup plus populaire que celle de Cohen. Mais voilà, il y a donc ça à l'origine. Et je pense que vraiment, c'est ma source d'inspiration première. Voilà. Alors, maintenant, j'aurais voulu vous dire comment est-ce que j'en suis arrivé là. Comment est-ce que j'ai fait pour écrire ça. Alors, ça s'est vraiment passé en deux temps. La première étape, c'est la suivante. Donc, on l'a déjà dit plusieurs fois, entre 2008 et 2012, j'ai tenu un blog. Et j'ai tenu ce blog parce qu'à l'époque, bon, ben, c'était l'été, je m'ennuyais, j'avais rien à faire. Et puis, il y avait une série télévisée qui passait, qui avait du succès. On me disait que c'était un petit peu sulfureux, etc. Bon, en l'occurrence, c'est pas vraiment le cas. Mais voilà, il y avait cette série américaine qui s'appelle Californication, dans laquelle il y a un auteur américain qui est plus ou moins sur le déclin, mais qui a eu du succès, qu'on n'a pas vraiment qu'à de la peine à écrire, et qui doit tenir un blog. Et ça l'embête un petit peu, mais il le fait quand même parce que c'est sûr de faire parler. Alors, c'est bête, hein, c'est collègue, mais c'est comme ça. Je dois à ce personnage de fiction, Hank Moody, qui lui-même est quand même un gros clin d'œil à Chinaski de Bukowski, donc il y a quand même des liens quelque part. Je dois à ce personnage-là d'avoir commencé à tenir le blog. Alors, le voici qui arrive. On est ici plus ou moins au milieu du livre. C'est une soirée d'anniversaire. Solal Aronovitch a fait réunir des gens pour son anniversaire, et puis il y a des invités qui arrivent. Il ne sait pas très bien qui arrive, c'est pas lui qui envoie les invitations, mais les gens viennent et ils s'entassent dans sa cuisine et ils se servent, il a préparé un repas, on allume des cigares, on débouche des bouteilles, et les gens arrivent. Voilà. Et donc Hank Moody arrive à ce moment-là. Hank Moody arrive à très tard, complètement fait ou défait, c'est une question de point de vue, à différents types de substances.
titubant, voire rebondissant contre les murs comme une balle de flipper molle, il tapa directement dans les cigarettes de Michel, qui pour sa part en était à sa énième tisane. Lou et lui avaient terminé de manger depuis un moment déjà, et à court de sujet de conversation, ils semblaient s'emmerder assez royalement. Hank venait bousculer en jurant pour atteindre le frigo et glisser le gâteau qu'il avait préparé, une étonnante pâtisserie dont la forme ne répondait pas aux impératifs de la géométrie euclidienne. Ça, c'est un clin d'œil à un autre auteur, si quelqu'un tire le fil maintenant, mais je vous l'adresserai tout à l'heure. Épuisé par cet effort, il s'effondra lentement sur le tapis rose en braillant pour qu'on lui donne immédiatement l'ordinateur. Il avait du retard pour son blog, il emmerdait LA Magazine, mais il allait écrire un putain de post, on allait voir ce qu'on allait voir. Je le regardais un moment tangué sur le dos comme un cafard. Coincé entre la table et le frigo, coincé aussi entre bien d'autres choses, et je lui posais, non sans une inquiétude parfaitement justifiée, mon MacBook sur le ventre. Il gargouilla des remerciements peu clairs, s'alluma une nouvelle clope et se mit à tapoter son article sans changer de position, visiblement inspiré. Alors voilà, donc si j'ai convoqué dans mon texte ce personnage de fiction, c'est simplement pour lui reconnaître le fait que c'est grâce à lui que moi j'ai commencé à tenir mon blog. Alors, c'est comme ça que ça a commencé. Et donc le 8 août 2008, donc, il y a maintenant 5 ans, j'ai écrit mes deux premiers articles qui s'intitulaient « Un lâche de plus » et « 600 francs ». Alors, et donc comme promis, je ne lirai pas. Et puis si vous voulez aller voir, vous pouvez aller, mais enfin, vous rendez compte par vous-même. Mais je dirais que ce qui est intéressant, c'est que d'entrée de jeu, ils sont sous l'égide de ce Solal Arnovitch, même si très clairement je parle de moi, et d'entrée de jeu, il y a des thèmes qui restent dans Solal. Alors bon, 600 francs, il est beaucoup question d'argent dans Solal. Beaucoup d'argent, il y en a beaucoup, en même temps il n'y en a pas du tout. Il y a beaucoup de questions d'argent qui coule, c'est de l'argent liquide. Et les liquides dans Solal qui coulent, il y en a beaucoup. Il y a du sang, il y a de la pisse, il y a du vomi. Bon, vomi, c'est pas toujours complètement liquide, mais il y a ça, si vous voulez. D'accord ? Donc il y a ces thèmes. Et puis de manière moins prosaïque peut-être, il y a le lieu. Le lieu d'habitation de Solal est important. Il ressemble beaucoup à celui dans lequel j'ai habité pendant quelques années avec mon épouse. Alors j'ai agrandi, il y a un balcon, il y a une place devant. C'est la place des Ventes de Canton, c'est beaucoup plus grand, il y a des arbres qui sont beaucoup plus majestueux. Mais il y a la même faune en bas. D'accord ? Et puis il y a aussi Solal a un fils qui s'appelle Julien. Et il y a un rapport qui n'est pas toujours évident avec ce fils. Et ça, c'est des thèmes qui sont restés dans le livre. Voilà. Pour la première étape, c'était celle du blog. Et puis, longtemps, je me suis dit, ah, mais j'aimerais bien écrire un roman sur la base du blog, ça serait bien. Puis, ça procrastinait comme ça, je n'y vais pas. Et puis, 2011-2012, j'ai eu une année scolaire extrêmement, extrêmement difficile. Pas de soucis, c'est pas la vôtre. Hein. C'était pas évident. Pour différentes raisons, j'ai eu beaucoup de peine et je suis arrivé à un constat avec Pâques. Je me suis dit, c'est pas possible, ça ne peut pas continuer comme ça. Je fais ce métier depuis 12 ans, je dois faire autre chose. Et je me suis mis à écrire. Donc, j'ai fait un immense copier-coller de tout ce que j'avais écrit sur Internet. Donc, il y avait pas mal de pages. Et je me suis dit, voilà, je reprends tout de A à Z et puis je fais ma petite couture. Enfin, et coupure aussi, hein, je coupe, je fais les deux, et puis j'aimerais faire macérer tout ça pour en arriver à la création d'un roman. Alors, c'est un travail qui a pris pas mal de temps, plusieurs mois, on va dire jusqu'à la fin de l'automne, et puis c'est à ce moment-là que le travail finit, je l'ai envoyé à différents éditeurs, dont Laurence, qui assez vite a été enthousiaste et qui m'a dit qu'elle était intéressée. Alors, De ces soucis scolaires, il y a une trace profonde dans le livre. Alors, je vous donne ici lecture d'un passage où Solal, qui donc factotum, donc c'est un assistant technique particulièrement compétent, il ne sait rien faire et il ne veut rien faire. Voilà. Donc, quand il y a des choses à faire, il demande à quelqu'un d'autre, il appelle les entreprises, il se débrouille, mais il fait très mal son travail. Mais néanmoins, à la base, c'est un universitaire, il a un doctorat en littérature médiévale, et il était parti pour une belle carrière qui, finalement, a très mal tourné. Vous verrez pourquoi. Mais dans l'école dans laquelle il travaille, à un moment donné, il y a pénurie de remplaçants. Et on a absolument besoin de lui. Donc, le directeur de l'école lui dit, écoutez, Arnovitch, je ne peux pas vous supporter, mais maintenant, il faut vous enseigner. On ne peut pas faire autrement. Alors, tant bien que mal, il accepte. Et puis, histoire de mettre les choses au point tout de suite, il arrive très en retard au cours. On l'attend. On ouvre la porte une des doyennes l'attend. On ouvre la porte. Il se fâche. Il dit que c'est un scandale. Elle change d'insulte, de coups. Elle s'en va. Et puis, voilà. C'est là que commence le cours. Les élèves sont un petit peu pétrifiés.
Et donc, ils rentrent et ils s'installent. Je me rassis et donnais mes consignes calmement mais fermement aux élèves. Ils semblaient un peu désorientés par la scène à laquelle ils venaient d'assister, et il fallait que j'en profite pour mettre les choses au point. Je leur fais donc à peu près le discours suivant. Voilà comment ça va se passer dans cette classe. Pour commencer, je vous conseille en toute franchise de ne pas m'emmerder, tout simplement. Ça veut dire avant tout répondre aux questions que je pose et ne pas avoir peur de dire une ou deux conneries. Vous êtes là pour ça. Pour la plupart, vos sales petites gueules de merde dans la cuite ne me reviennent pas. Vraiment, je préfère vous le dire sans embarras. Ceci dit, vous n'y pouvez pas grand-chose. Et si vous y mettez du vôtre, on peut y travailler en douceur. D'abord, ceux qui n'ont pas envie de rester ou qui pensent avoir mieux à faire ailleurs, qu'ils dégagent rapidement avec leurs affaires. Ils ne manqueront à personne. Ils furent plus des deux tiers à bondir de leur place en braillant comme des porcs ivres d'une liberté inattendue, une joie crétine et nauséabonde imprimée sur leur face abjecte et idiote. Ça faisait de l'air. Dans la classe, on était mieux. On respirait. Mais ceux qui étaient restés, pour des raisons sans doute discutables et variées, peur des parents, peur de la mauvaise note, ou plus confusément, peur de ne pas trouver sa place dans la société, ou encore, ce qui était plus louable, curiosité malsaine, ceux qui étaient restés étaient quand même très réservés. Ils restaient sur leur garde, dans leurs petits souliers. D'un certain point de vue, je pouvais les comprendre. À leur âge, je ne sais pas comment j'aurais réagi devant un type de mon genre qui mettait les pieds sur le bureau et qui balançait son sac. C'est vrai que ça ne se fait pas. Je me présentais brièvement. Je pris connaissance de leur nom, je racontais une ou deux blagues juives histoire de détendre l'atmosphère, entre autres celle du rabbin et du nazi à la piscine, mais je ne parvins qu'à moitié. La plupart d'entre eux marchaient encore sur des œufs. Ensuite, je leur dis de prendre leur sac et de venir avec moi. J'avais en effet préparé quelque chose, mais je ne voulais pas donner mon cours, enfin, si on pouvait appeler ça comme ça, dans les murs de l'Institut. En sortant, on dut faire attention à la Seyde, qui patrouillait dans les couloirs, un tampon sanglant de gaz sur le front, le chimérique molosse sur ses talons, hargneux et baveux. Donc c'est une école dans laquelle il y a un très gros chien, un petit peu bizarre. On descendit dans mon bureau, je pris les livres que j'avais préparés et nous faufilâmes par une issue connue de peu. Après un bon quart d'heure de marche, nous nous retrouvâmes dans la petite forêt au fond du parc, à bonne distance de l'Institut. Je m'adossais au grand rocher couvert de mousse, ils s'assirent par terre et je leur lançai les bouquins. C'était Evgeny Sokolov de Serge Gainsbourg. Un choix évident pour des jeunes gens de leur âge, ça les changerait. Ce livre était en effet exemplaire, admirablement bien écrit, la grammaire et la syntaxe des phrases étaient tout simplement superbes, le lexique fouillé et la thématique était à la fois rabelaisienne, tragique et légère. Bref, un livre idéal à bien des titres pour un premier cours de français. Allongés dans l'herbe ou appuyés à un arbre, ils commençaient à lire. On fit ça pendant quelques temps, ils avançaient dans le texte à leur rythme, je répondais à leurs questions, eux aux miennes, et je les laissais discuter entre eux. On passa comme ça une matinée tranquille et agréable qui finit, comme on pouvait s'y attendre, sur un concert de paix improvisé qu'une petite brune au visage intelligent remporta, si je puis dire, haut la main. Le texte de Gainsbourg, c'est l'histoire d'un peintre qui peint extrêmement bien parce qu'il pète. Ça lui donne l'énergie pour tracer des traits. D'où le concert. Le lendemain, on changea d'ambiance et on s'attaqua au roman de Troie, puis au roman d'Alexandre. Même si en général le texte suffisait à lui-même, il leur fallut plus d'explications. Mais je fus surpris par les connaissances parfois très étendues de certains d'entre eux. Pour clore ce cycle médiéval, on lut enfin le Conte du Graal, dans la magnifique traduction de Charles Mellat, sans doute un des textes parmi les plus extraordinaires de l'histoire de la littérature. Après ces indispensables prolégomènes, je leur distribuais en vrac toute une série de textes surréalistes, Breton, Aragon, Soupeau, Apollinaire ou Artaud, et ils les lurent librement, sans que cette fois je réponde à leurs questions. Il fallait bien qu'ils se fassent une idée par eux-mêmes. Enfin, au bout de deux semaines, on mit nos lectures en perspective, on discuta somme toute assez âprement, et à la fin, ils firent ce qu'ils voulaient de ce qu'ils avaient ingéré ou pas. Certains produisirent des dessins, des peintures, des textes, des commentaires, voire des continuations, assez réussies pour certaines, d'autres mirent en scène une étrange petite pièce de théâtre qui se jouerait en décor naturel, d'autres, enfin, ne firent rien du tout. Souriant, comme débarrassés d'un fardeau qui leur pesait depuis longtemps, ils restèrent couchés dans l'herbe ou pêchèrent dans le ruisseau, avec un certain succès dont ils nous firent tous profiter. Voilà, alors, donc, ça c'est la trace, si vous voulez, de cette année scolaire difficile dont je vous ai parlé, et puis ben, c'est la seule expérience d'enseignement de Solal, et visiblement c'est tant mieux, puisque ça se passe de manière un petit peu étrange, en tout cas, si vous lisez le livre, vous verrez que ça lui sera beaucoup reproché par la suite. Donc, ces deux moments, donc Hank Moody et puis cette année scolaire, c'est ce qui a conduit à l'écriture du roman. Voilà comment j'en suis, si vous voulez, arrivé là. Alors, maintenant, parce que je pense que ce n'était pas tout à fait la question qui m'avait été posée, pour arriver sur cette histoire de muse, hein, qu'est-ce qui m'inspire. Alors, il y a des inspirations dans Solal Aronovitch. Excusez-moi.
Alors, je fais une petite précision pour arriver là où je veux en venir pour mes sources d'inspiration. Je ne pense pas que les aventures de Salah soient de l'autofiction. Sinon, il y a beaucoup de soucis à faire sur la manière dont sont gérées les écoles et dont travaillent les assistants techniques. D'accord ? C'est pas l'autofiction. J'ai inventé une sorte de mot. C'est plutôt de l'auto-mythification, c'est vraiment pas joli, hein. Mais ce que j'aimerais dire par là, c'est que avec le mythe, il y a vraiment une tentative d'explication du monde, d'un monde qui est complètement intérieur, c'est mon monde à moi. Mais je mets en mot mon monde, j'essaye de l'expliquer en créant des espèces de forces comme ça, et j'y vois donc du coup plutôt dans ce texte une sorte d'anti-épopée. Et dans les épopées, ma foi, on se bat beaucoup. Hein. Et ceux parmi vous qui me connaissent depuis longtemps savent que la bagarre en tant que jeu, mais la bagarre est quand même importante dans mon parcours de vie. Je me suis souvent battu avec mon père pour jouer, je me suis battu avec mon coloc qui n'est pas là ce soir, mais on s'est pas mal battu. J'ai fait pas mal de judo avec plus ou moins de succès. J'ai même fait une brève incursion dans le monde du combat libre avec monsieur qui est ici présent. Vous le verrez tout à l'heure, il est grand, il est tatoué, je pourrais lui demander. C'était pas couronné de succès, mais voilà, il y a cette tentative de folie d'intellectuel de vouloir se battre avec des gens qui savent taper et moi pas. Et donc, puisque moi je ne sais pas taper, j'ai donné cette capacité à cela. Alors, bon, c'est pas toujours pour le meilleur, mais en tout cas, il se défend. Alors, ici, on est de nouveau dans l'école, on est dans l'institut, et puis, Solal est allé tout simplement aux toilettes, mais il a oublié ses clés. Quand on travaille dans une école, il y a une clé pour les profs et puis les adultes, ils vont dans des belles toilettes toutes propres et tout. Et puis, sinon, il y a les toilettes pour les élèves. C'est très embêtant parce que souvent on est dérangé, etc. Donc, c'est pas un endroit dans lequel on aime aller. Mais voilà, Solal, il est obligé d'y aller parce qu'il a oublié ses clés. Et donc, il rentre là-dedans et c'est un enfer. C'est sale, ça pue, il y a des slogans racistes sur les murs, il y a de la merde partout, c'est immonde. L'eau coule mal, on ne peut pas bien se laver les mains, mais voilà, bon, mais quand il faut y aller. Donc il va aux toilettes, il se lave les mains, et puis il y a quelqu'un qui rentre. C'est un personnage qui s'appelle Jambert, qui est un type assez grand, très costaud, qui a un bon gros bide comme ça, il est habillé, il porte tout le temps du jeans, il a les cheveux filandreux, filasses comme ça, et c'est le représentant syndical de l'école. Et cela, les lui se détestent. Peut-être viscéralement, peut-être parce qu'ils ont des opinions politiques divergentes, mais bon, allez savoir. Ils se détestent et bon, Jean-Bert le cherche un petit peu, et assez vite on arrive aux insultes antisémites, et donc du coup, ben, cela se dit, ma foi, quand il faut y aller, il faut y aller. Alors, je regardais son visage, lui aussi exposé en petit triangle dans le miroir. Il mesurait bien 1m85, pesait sans doute 90, voire 100 kg. C'était clair. À bien des titres, nous n'allions pas combattre dans la même catégorie, mais j'avais l'habitude de ce genre de défi inepte et matinal. Sans me retourner, j'attaquais du coup de droit directement, une frappe qui se voulait sèche, nette et si possible définitive. Je visais la gorge. J'avais en effet l'espoir de mettre fin à cette discussion oiseuse d'un seul coup. Une erreur voici. Car à cause de notre différence de taille, je l'atteignais à la jointure du cou et de l'épaule, en plein sur l'extrémité sternale de la clavicule. Douloureux certes, mais pas de quoi le finir d'entrée. Sur ma lancée, garde haute, je pivotais vivement dans mes chaussures italiennes assez fines qui produisirent un joli petit chointement sur le sol lisse. Il avait reculé sous l'impact et peut-être, un peu étourdi, il chancela tout en ripostant néanmoins d'une puissante talonnade, une sorte de longue poussée qui me frappa durement au genou droit. Ce dernier se tordit aussitôt sous le poids de mon interlocuteur. Malgré la douleur lancinante, je profitais de ma position basse pour lui lâcher une série brève mais rapide de direct à l'estomac avec mes deux poings, juste sous les flottants. Il expira brutalement, comme un pneu qu'on crève, mais encaissa en fait assez bien, ce connard étant passablement gros. Comme quoi la fondue peut jouer un rôle déterminant en matière de combat rapproché. Pensant m'avoir calmé pour quelques instants, je me repositionnais en roulant des épaules un peu bêtement. C'est alors que, de manière tout à fait surprenante, il plongea dans mes jambes en poussant de toutes ses forces, cherchant visiblement à me déséquilibrer, pour m'assommer contre les pissoirs. C'était bien vu. Et intérieurement, je reconnus un certain sens tactique à ce syndicaliste raciste. Il avait sans doute quelques meetings pleins de camaraderie militante au compteur. Néanmoins, ma parade ne se fit pas attendre. Je lui administrai un très solide coup de coude au sommet du crâne, pile à la jointure des plaques frontales et pariétales. Du vrai travail d'horloger, précis, sans bavure, brutal. Il me lâcha, foudroyé, et continuant sur sa lancée, partit les avant-bras tendus en poussant un petit cri de gorge assez ridicule.
Alors que je croyais avoir mis le point final à toute cette histoire d'itinérance involontaire et de toilette au Roland Douteux, donc ça c'est des insultes, donc cela l'a été gratifié, il se rattrapa en un incroyable roulé-boulé, lent, ses habits devaient le gêner aux encombres, mais très maîtrisé. Il rebondit avec une souplesse de danseuse sur le retour contre le mur crasseux pour se retrouver juste en face de moi, incrédule, dépité, la garde malheureusement basse et la bouche ouverte. Il en profita aussitôt pour me saisir avec une vitesse inattendue autour du cou et commença à m'étrangler tout en me secouant la tête sans fioriture. Tout simplement, je dus à ce moment-là reconnaître deux choses. Premièrement, il était plus fort que je ne le pensais. Deuxièmement, mes restes de boxe thaïlandaise et de judo étaient désormais officiellement des vestiges enterrés et sans doute incinérés avant d'être enfouis dans un cimetière lointain. Je gigotais piteusement dans tous les sens pour essayer de le mordre et de lui tordre les doigts, et je ne parvins qu'à me faire plus mal au cou encore. Je suffoquais de façon... Excusez-moi. Je crois que j'ai soif, en fait. Parce que... Ouais, ça tombe bien, je ne suis pas encore en train de suffoquer, mais il faut que je boive un petit peu. Alors, je suffoquais de toute façon rapidement, la langue dehors et la bave aux lèvres, et revanchard, il me termina d'un puissant coup de genou dans les parties. Cet échange de points de vue n'avait pas duré plus d'une minute et se concluait donc très nettement à l'avantage de Jambert. Je m'effondrais comme un paquet de chiffons trempés sous l'évier jaunâtre des toilettes. Quant à lui, hors d'haleine, il respirait comme un vieux phoque qu'on traîne par la queue chez le taxidermiste. C'était sans doute sa dernière victoire et j'étais son ultime trophée. Cette pensée était particulièrement douloureuse, sans doute plus que tout le reste. Mon genou, mon cou ou mes organes mâles, de toute façon inutiles depuis belle durée. Assis dans l'urinoir, il reprit tranquillement son souffle. « Bon, à la base, j'étais venu là pour pisser. Mais puisque tu as salopé les aisances communautaires, comme tu dis, et que je ne veux pas salir le sol plus qu'il ne l'est déjà, vu que tu es par terre, c'est juste histoire de donner l'exemple. Tu comprends bien, on vit en communauté, et tu peux compter sur moi, ne t'inquiète pas. J'en toucherai un mot au directeur pour qu'on cite tout cela en parangon, comme tu dis, dans la prochaine édition du règlement. » Il se redressa, ouvrit sa braguette, et produisit un frottement métallique que je ne suis pas prêt d'oublier, et son urine chaude et mousseuse colla ma chemise à mon ventre, qui se contracta sous la violence de cette nouvelle humiliation. Le jet produisit un son étrangement joyeux, comme un carillon qui sembla se moquer de moi, de mon honneur littéralement souillé, et de cette défaite tragique et ridicule. Factotum, je le disais, un métier de contact. Il fallait se mouiller, le servile me l'avait souvent répété, y mettre du sien, se mettre entièrement au service de l'État, donner de son corps, c'était désormais chose faite. Alors, voilà, donc tout ça pour vous dire que les bagarres, gagnées ou perdues, bah, souvent perdues, ont de l'importance dans cela, l'arnaque. Et donc, tout ça pour faire le lien avec le côté épique, je dois reconnaître que je suis intéressé, fasciné par tout ce qui relève des figures, des icônes populaires, des héros, simplement des demi-dieux, c'est ça qui m'intéresse. Et donc j'en ai convoqué trois dans mon texte, ils forment une espèce de petit trio comme ça autour de cela. Il y a donc James Bond, qui est là, il y a Superman, et puis Achille. Et ces trois-là, à leur manière, vont jouer un rôle dans les aventures de cela. Alors, je commence par expliquer de quoi il s'agit. James Bond, pour moi, c'est un intérêt qui date de l'âge adulte. Et ça a commencé, il y a une caution intellectuelle, rassurez-vous, ça a commencé avec l'essai que Umberto Eco lui a consacré, enfin a consacré à Ian Fleming, dans De Superman au Surhomme. Et c'est un petit texte dans lequel il étudie le mécanisme de la recette et comme quoi ça peut apporter, ça porte ses fruits. Et si vous voulez, c'est ce qui fait le succès de James Bond, à savoir les quelques livres de James Bond sont un peu tous les mêmes. D'accord. Et bon, c'est plus développé que ça, je résume un petit peu. Mais quoi qu'il en soit, James Bond est là dans Solal pour son univers de costumes sur mesure, ses voitures, sa connaissance encyclopédique des alcools, des vins, et donc du coup, pour une forme de vacuité. Parce que James Bond n'est pas un personnage, c'est une figure. Et dedans, il est tout vide. Il n'y a rien. Il y a un costume qui tient un verre, mais si vous voulez, il n'y a rien d'autre. Et c'est tant mieux, parce que finalement, la psychologie pour les personnages, à mon avis, n'a pas beaucoup d'importance. Alors, à relever, j'ai fait un mélange entre le personnage des films et le personnage des livres, qui sont quand même très différents. Le personnage des films est beaucoup plus vainqueur, victorieux que celui des livres. Celui des livres, c'est quelqu'un qui souffre, il a de la peine à faire son travail, il est malheureux en amour, il est de loin pas aussi glorieux et puissant que le personnage des films. Et donc, je le montre dans la description physique, puisqu'il a gardé une cicatrice et puis il a la même coiffure. James Bond, pour moi, il fait partie de ces figures tutélaires qui veillent ou pas. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas forcément là pour le bien-être de Solal, sur,
sur le livre et puis sur ce qui arrive dedans. Alors, il est là aussi, parce que vous ne le savez pas, James Bond a pas mal de liens avec Genève. James Bond a vécu au Quai du Salvador, James Bond a étudié à l'Université de Genève, James Bond est de père écossais et de mère vaudoise. Donc voilà, je me suis amusé à rappeler tout ça de manière un peu anecdotique dans le livre. Et du coup, James Bond vient aussi à l'anniversaire de cela. Alors, c'est un des derniers passages à arriver. Il n'a pas été particulièrement invité par cela de nouveau, mais il vient et il va jouer son rôle dans l'événement central qui a lieu au moment de l'anniversaire de cela. Alors, à ce moment-là, tout le monde est arrivé, et puis la mère du fils de Solal, Pénélope, qui décidément en veut beaucoup à Solal, est là, et puis elle a trouvé à la cuisine un livre et une lettre qui la fascine. Elle tient ça, et ça a beaucoup. Le fait de tenir ce livre et cette lettre a beaucoup d'influence sur elle. On sent qu'elle est prise dans quelque chose de très sombre. Voilà. Alors, je vous dis ça pour préciser un petit peu ce qui va suivre. Ne sachant trop sur quel pied danser, je la laissai, avec tout ce qu'elle avait trouvé, et je partis ouvrir la porte sur un homme d'assez grande taille, vêtu d'un smoking à la coupe impeccable. Sans doute un Brioni. Et chaussé de John Lobb, plutôt élancé pour un modèle anglais, des Oxford City 2 à vue d'œil. Sa joue droite s'enlève d'une cicatrice plus courte que la mienne, et une mèche rebelle remontait sur son front dur. Après m'avoir salué avec une hauteur brutale, mais non sans élégance, il entra et déposa non seulement une paire de skis et un parachute dans un angle du hall. Il fit ensuite quelques pas rapides comme une sorte de prédateur en cage et repéra assez rapidement Pénélope. Il tenta aussitôt de l'arracher à sa contemplation, mais cette dernière, toujours magnétisée par le livre et la lettre, ne bougea pas. On l'aurait dit possédée par des pensées inhabituelles pour elle, à la fois ravissantes et très violentes. Dans sa main devenue blanchâtre, elle serrait la lettre très fort, et son visage pâle semblait illuminé par une lueur obscure. Désœuvré, il jura brièvement en anglais, rajusta son autre papillon, se rendit à la cuisine et se prépara en silence un cocktail à base de martini. Contrairement aux habitudes que je lui supposais, il ne lâcha pas la moindre plaisanterie douteuse. Louis et Michel étaient maintenant tout entiers à l'entrecôte de serre et échangeaient tranquillement leur point de vue sur l'islam, et ils semblaient passer une excellente soirée. Une autre bouteille de houblon était débouchée et des sachets de tisane traînaient par dizaines. Je préparai rapidement une petite assiette pour Julien, un enfant dont l'estomac semblait à jamais noué. Il vint la prendre et repartit au salon, ses voitures coincées sous le menton. Un instant restait les yeux dans le vide, une main crispée sur son nœud papillon pourtant parfaitement ajusté, mon nouvel invité avala soudain trois verres de son cocktail, très vite, presque avec violence. Puis, comme flottant, déstabilisé, il m'accompagna à pas longs au salon, en m'expliquant qu'il avait bien connu Genève. Il était désolé d'être arrivé si tard, mais il tenait absolument à passer par le quai Gustave Adore, où il avait vécu un an pendant ses études. Soudain, il se saisit d'un geste enthousiaste. Soudain, il saisit d'un geste enthousiaste le coffret des E717 qui traînait sur la table basse. Je devais le prêter à Carver, qui voulait en tourner une nouvelle version façon série Z, et lança aussitôt à toute heure à Tokyo avec un sourire rare. C'est mon préféré. Quel joyeux imbécile, ce bonisseur de la batte. Allez-y, au fait, c'est gentil d'être passé. Je ne savais pas que Hans vous avait invité. Vous n'êtes pas trop occupé ces temps-ci. Pas de problème. Les relations internationales ont tellement évolué que je n'arrive pas à suivre. Et puis, j'en ai assez d'être le factotum de ces politiques auxquelles on ne comprend plus rien. Je voulais de toute façon faire un saut dans le canton de Vaud. J'ai encore une cousine de la Croix. S'agiter aux quatre coins du monde, ça commence vraiment à me fatiguer. Il faut savoir aussi se reposer. C'est exactement ce que je vais faire. À mon âge, je crois que je peux me le permettre, termina-t-il, sur un clin d'œil. Alors, la raison pour laquelle Bond est aussi convoqué, c'est parce qu'on ne se rend pas compte si on ne fait que regarder les films, mais il est très âgé. Il est né le 11 novembre 1920. Et donc, ça fait quand même plus de 90 ans. Et donc, j'aime bien cette idée du héros qui est plus qu'au bout du rouleau, qui le rappelle. Il dit, voilà, je suis un petit peu à la fin. Et ça, c'est quelque chose cette notion de héros comme ça en fin de course qu'il partage avec Superman, qui lui aussi est présent dans le texte. Alors, Superman, s'il est là, c'est un petit peu différent. Il est vraiment là pour sa toute-puissance. Si vous voulez, à tort et à raison, je confesse tout plein de goût pseudo, enfin plus peut-être littéraire et cinématographique que je ne devrais pas, parce que c'est pas le sommet du panier, mais c'est comme ça. Superman m'a toujours fasciné. Et j'ai toujours trouvé qu'à tous les niveaux, il était extrêmement mal exploité. Je trouve ce personnage à la fois terriblement radieux et obscur, dans le sens où il est à la fois tout-puissant et totalement impuissant.
On le voit bien. Et donc, c'est un petit peu ce que j'essaye de rendre dans le texte. Alors, il est là pour sa toute puissance, hein, son nom c'est Kal-El, en hébreu ça veut dire Dieu, donc j'y vois presque une forme de Dieu, mais lui il est vraiment complètement, totalement au bout du rouleau. On ne sait pas très bien comment il a fait pour venir là. Cela a des statues de lui dans sa chambre, dans sa cuisine, et puis à un moment donné il se réveille la nuit, il a mal dormi, il a mal au crâne, il a trop fumé, et puis bon, Superman est là, il fait des pompes dans la cuisine. Voilà. Il fait des pompes tellement fort que l'immeuble se met à bouger, et puis les deux ils se mettent un petit peu à discuter. Et bon. Voilà ce que donne une partie de cette discussion, où si vous voulez, Superman est là comme une espèce de conscience désabusée, hein, il sait qu'il ne peut rien faire pour Solal, de conscience morale de Solal et du monde. Alors, donc, bah, j'ai déjà fait la mise en situation, en fait, donc voilà, Solal s'est réveillé, on est en pleine nuit, et puis Superman est dans la cuisine, il a fait des pompes, et ils sont prêts à partir, à décoller, mais ils hésitent un petit peu. Hein, on sent qu'il... bord de la fenêtre, il va pas, est-ce que je vais sauver le monde ou pas. Donc on est dans cette hésitation là, et donc du coup les deux rentrent en discussion. Je m'assis lourdement alors qu'il fléchissait les genoux avec une grimace douloureuse. Ça craquait plutôt sèchement. Je suis presque mal pour lui. Ça va, tu es sûr de vouloir y aller tout de suite? Tu viens à peine de descendre du frigo. Il faut aussi savoir se reposer, tu as fait pas mal de pompes quand même. Je fais beaucoup de sport, tu sais, et je peux te dire, c'est pas rien ce que tu as fait. Aucun problème, tout va bien. Il faut juste que j'évite de démarrer à froid, c'est tout. Je vais quand même sur mes 75 ans, je suis de 38 après tout. Bon, je tiens le coup, mais c'est plus comme avant. Et puis franchement, la lumière du soleil n'a plus la même qualité. Il y a comme un voile opaque entre ma peau et elle. Alors certains jours, j'éprouve une fatigue difficile à combattre. Ma vue en particulier a pas mal baissé. Elle est toujours bien meilleure que celle de n'importe quel humain, que celle de n'importe quel télescope. Mais j'ai parfois des difficultés à me rendre là où me conduit mon oreille. Car j'entends tout cela. J'entends tout, bien plus qu'avant en fait. C'est le fardeau paradoxal de l'âge, en tout cas du mien. Parfois, ma tête est remplie de hurlements, et je ne sais pas où sont tous ces gens qui crient, je ne sais pas comment les rejoindre, je ne sais pas comment les aider. Je sais juste qu'ils souffrent. Et puis d'autres fois, je suis tellement bien, tellement tranquille sur ton frigo, à côté des épices et des invitations à des vernissages auxquels tu n'iras pas, que je n'ai plus vraiment envie de bouger. Je me dis que ça ne mène nulle part, que rien ne changera, que je ferai mieux de me laisser statifier définitivement par le temps qui passe et ce froid qui monte en moi. Ton Bouddha me murmure lui aussi que je ferai mieux de rester là, que rien ne fera la différence désormais. Tout ce qu'il reste, c'est la transformation intérieure. C'est le seul espoir. Pour moi, pour tous, pour toi. Tu veux un verre? Un old fashion peut-être? Je ne trouvais rien d'autre à répondre. Tout ce que j'avais retenu de son trop long laïus, c'est qu'il avait le même âge que mon père. Tandis qu'il se frappait le ventre du plat de la main et se pinçait la peau près de la ceinture, sans doute en quête de couches de gras, je le détaillais tout en lui préparant son cocktail. Une fois descendu de l'hôtel sur lequel je l'avais hissé, pourtant un frigo, malgré une très belle finition, chromée, assez classique, il n'avait plus la même allure. On aurait dit un ancien dieu, prisonnier dans le corps d'un avatar dont il ne parvenait pas à changer, comme si l'intérieur était trop vaste, trop incommensurable pour l'enveloppe extérieure. Certes, il était très impressionnant et sa présence dégageait une énergie lourde, puissante, profonde, qui semblait pulser dans l'air autour de lui. Sa musculature était beaucoup plus imposante que celle de ses incarnations cinématographiques. Terriblement massif, comme montagneux. On aurait dit une sorte de bloc énorme dont émanait une force minérale, certaine, inéluctable. Mais alors qu'il se penchait pour remonter ses bottes rouges, elles avaient tendance à plisser en accordéon sur ses chevilles, je m'appuyais sur son dos d'idole des temps passés. La fatigue et une soudaine douleur à l'endroit du rein, auparavant on a arraché un rein à Solal, la fatigue et une soudaine douleur à l'endroit du rein qui me manquait me rendant faible. Je sentis alors, sous le tissu de son costume, un relief étrange. Comme si sa peau était parcourue de milliers de fissures et de petites crevasses, parfois larges comme deux doigts. Lorsque je soulevais ma paume, elle était recouverte d'une fine poussière rouge et bleue. Le héros le plus puissant de la Terre, à l'instar d'une très ancienne statue en attente de restauration, était ébréché par tant d'efforts donnés pour le bien-être des hommes, malgré eux, malgré leur aveuglement et leur passivité, ceux dans l'oubli le plus complet de lui-même. Il se redressa néanmoins, bomba le torse, fit rouler ses gigantesques épaules, des craquements pétillèrent comme si un feu se mettait à brûler péniblement en lui. Où vas-tu? Enrayer la crise financière peut-être? Ça serait original. C'est déjà fait, sourit-il avec tristesse, enfin façon de parler. J'ai proposé une formule économétrique au président américain et au Conseil de l'Europe. Elle permettrait d'obtenir une croissance régulière et saine, tout en endiguant la pauvreté dans le monde. Ce serait l'affaire de 2 ans. Ils étaient tous très embarrassés, ils m'ont quand même dit merci, j'ai bu des thés, j'ai bu des cafés, et je te raconte pas le bazar pour pisser avec ce costume. Enfin voilà, je peux pas faire plus, je ne veux forcer personne. Après tout, je ne suis qu'un invité parmi vous. Diplomatiquement, on a d'ailleurs su me le rappeler.
je vais peut-être devoir demander l'asile politique dans un pays neutre. Non, là, je vais aider à distribuer des vivres au Soudan pour mettre sous les verrous deux ou trois seigneurs de la guerre. Quant à toi, tu ferais bien d'aller te coucher, c'est ce que tu as de mieux à faire. Voilà. Alors, donc, si Superman est là, c'est pour la même raison que John Bond, c'est une figure tutélaire, c'est une icône, c'est une figure de la culture populaire très ancienne. Et puis, il y a un petit lien aussi au judaïsme, parce que j'aime à croire que Superman est juif, puisque ses deux créateurs, Jerry Siegel et Joe Shuster, le sont, fils d'immigrés juifs. Et d'ailleurs, dans Superman a fait ses premières armes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est allé taper, comme plein d'autres héros, hein, Captain America aussi, taper des nazis, ce qui est bien. Donc, voilà. Alors, mais il est là de manière vraiment plus... j'y vois vraiment une conscience intérieure pour cela. Et si vous voulez, ces deux personnages-là sont pour pointer celui que je considère comme étant le plus important d'entre eux, c'est Achille. Achille, qui est un personnage qui joue un rôle très important pendant la fameuse scène de l'anniversaire, c'est une scène qui s'étale sur plusieurs chapitres dans le livre. Alors, c'est aussi un peu de l'archéologie personnelle, hein, écrire un livre, donc il est là pour figurer mon intérêt d'adolescent pour la mythologie grecque. J'ai fait du grec au collège, et la raison pour laquelle j'ai choisi le grec, c'est parce que j'étais un passionné de mythologie quand j'avais 14 ans, et voilà, donc je voulais voir ça de plus près. Donc il est là pour ça. Il est là aussi, comme les deux autres, hein, James Bond est très vieux, Superman est très vieux aussi, il est là pour son immense force et sa faiblesse, puisque vous savez que c'est le héros invincible avec le fameux talon d'Achille, Siegfried elle-même, hein, avec ce petit rien qui fait qu'au bout d'un moment il s'écroule contre un héros qui est dérisoire, Paris. Alors, c'est ça qui m'intéressait avec ces trois personnages-là, c'est le côté la toute-puissance et l'immense fragilité. Et cela, quelque part, si vous voulez, il est aussi comme ça, dans le sens où il se remet de tout, on lui fait subir pas mal de choses. Alors, si vous lisez, vous verrez que, par exemple, on lui arrache un œil. Je me suis renseigné, c'est pas trop grave, ça va, on peut faire avec. Donc tout n'est pas grave, si vous voulez. Mais au fur et à mesure, on avance, le rein, l'autre partie du corps, ça devient compliqué. Mais cela, il s'en remet. Cela s'en remet, et donc il est extrêmement résistant, mais en même temps, il souffre de choses toutes bêtes. Il est insomniaque, il est très fragile. D'accord ? Il y a ces deux choses. Donc, Achille est là aussi pour ça, et puis, un petit peu à la manière de, manifestement, de l'Iliade et de l'Odyssée, je me suis amusé à parsemer le texte d'épithètes, comme par exemple Hans, lui qui sait y faire, ou bien Parzer, lui dont la voix porte. Un petit peu comme on retrouve dans les épopées, dans l'Iliade ou dans l'Odyssée. Alors, je vais vous lire un passage où Achille est là. C'est donc la scène centrale de l'anniversaire, et on ne sait pas trop ce qui va arriver à cela. Les deux premiers invités, qui sont Michel et Louis, qui sont des clins d'œil à deux écrivains, l'ont emmené dans la cuisine, ils lui ont arraché sa chemise, ils l'ont couché sur sa table, ils lui ont dit « Voilà, en fait, le cadeau d'anniversaire, c'est toi. Tu es toi-même le cadeau. » Et Pénélope, donc la maman de son fils Julien, qui décidément lui en veut, arrive avec une hache. On sent que ça devient un petit peu compliqué. D'accord ? Et il y a un long moment comme ça de tension où Pénélope est au-dessus de lui avec cette hache comme ça, une sacrée hache, hein, c'est d'une arme de professionnel, de bûcheron. Et cela l'entend qu'en fait sur le palier il y a des gens qui hésitent à rentrer, il entend des voix, on parle, etc., etc. Il se demande qui va venir, il se demande ce qui pourrait encore lui arriver. Et finalement les gens qui hésitaient ou qui n'étaient pas encore rentrés arrivent. Alors voilà, on va faire ça, comme ça va faire un petit peu. Il était vraiment très tard. Et tandis que cette hache manipulée par cette folle qui me haïssait tremblait au-dessus de ma poitrine, je me dis que le déroulement du temps nous avait échappé, et je sentais que c'est moi qui en payerais le prix. Soudain, Deus ex machina, dans un bruit sonore de cuir et de bronze, un personnage en armes fit son entrée dans la cuisine qui devint alors franchement bondée. Les derniers invités avaient donc fini par nous rejoindre. Ils avaient cessé de jacasser avec les voisins sur le palier, et à dire vrai, je ne savais pas si je devais me réjouir de leur arrivée. D'une stature colossale, l'homme qui venait d'entrer semblait animé d'une force et d'une détermination exceptionnelles. Hors norme, il avait quelque chose de profondément démesuré en lui, que ce soit sa taille, son attitude ou un certain éclat dans son regard qui ne sillait jamais.
Il posa contre le frigo un grand bouclier rond, orné de motifs nombreux. Entre autres, on y voyait la représentation de deux cités, l'une en guerre, l'autre en fête. Et sans lâcher sa javeline, il installa un vieillard aveugle sur la dernière chaise libre avec une grande tendresse. Il lui parlait très doucement, en grec ancien, évidemment avec des formules respectueuses et désuètes, mais empreintes d'un sentiment filial touchant. Le vieil homme hocha sommairement la tête à trois ou quatre reprises et esquissa un léger sourire. Il semblait comprendre la situation. Nous considérons alors d'un œil peu amène, le guerrier me demanda sèchement si je n'avais pas une bonne bouteille de Tsipuro ou à la rigueur d'ouzo, juste avec un glaçon, sans eau. Leur voyage avait été extrêmement long. Le chemin étroit, hasardeux, périlleux. Par endroits, il espérait donc que j'étais conscient de l'honneur très spécial qui m'était fait. Il voulait juste se rafraîchir. Il voulait juste se rafraîchir un peu avant que nous commencions. C'était normal. La hache tremblait toujours au-dessus de moi. Pénélope semblait à la fois attendre le bon moment et accumuler de la rage en elle. Elle devait puiser dans certains souvenirs bien précis. J'avais d'ailleurs une idée desquels. Pour frapper le plus fort possible. Intérieurement, je relevais qu'elle était assez en forme pour tenir au-dessus de sa tête une hache de professionnel visiblement assez lourde. C'était tout à son honneur. En attendant la suite, j'acquiesçais avec précaution à la demande du guerrier. Les alcools étaient dans l'armoire du fond, il devait y avoir de ces machins grecs, j'en savais trop rien. Il fallait chercher un peu. Il était désormais clair que cette entrée, très réussie et très étonnante parce qu'elle impliquait dans le rapport que nous entretenons à la fiction littéraire, avait refroidi les ardeurs. Michel et Louis faisaient en tout cas moins les malins. Très nettement, ils n'étaient plus très sûrs d'eux. Leur étreinte se relâcha et une certaine anxiété les gagna. Voilà, pour Achille qui joue un rôle important par la suite, mais ça je vous laisserai découvrir dans le texte. Voilà. Alors, ça, si vous voulez, c'est vraiment pour mettre en scène, pour planter ce que j'appellerais les sources de culture populaire qui m'ont conduit, qui m'ont inspiré et qui m'ont poussé dans l'écriture de cela. Par derrière, autour, de manière moins évidente, il y a d'autres choses, d'autres choses qui m'ont inspiré. Il y a un auteur, qui est aussi un souvenir d'adolescence, mais qui m'a beaucoup marqué, dont les textes m'ont beaucoup marqué, c'est Lovecraft. Lovecraft, un auteur américain qui a poursuivi tout au long de ses textes toujours la même obsession. Il y a, parallèlement, dans d'autres dimensions, à côté, dessous, autour, au fond de la mer, des créatures extrêmement puissantes, extrêmement maléfiques qui nous menacent et qui n'attendent qu'une chose. C'est qu'un scientifique ou une sorte de sorcier assez fou puisse trouver la clé dans un vieux livre caché, dire les mots qu'il faut pour que les portes entre les dimensions s'ouvrent et les créatures arrivent. Elles ont des tentacules, elles ont des becs, elles sont vraiment pas sympas. Et il y a cette menace permanente dans l'univers de Lovecraft. Et d'une certaine manière, j'ai gardé cette idée-là. Parce qu'il y a un traitement dont j'espère qu'il est plutôt humoristique dans le texte, mais finalement, ce qui arrive au personnage, c'est pas très drôle. Et il y a une menace qui constamment pèse sur lui. Alors j'ai cette menace qui pèse sur lui, c'est de Lovecraft que je la tiens, et j'ai fait un petit clin d'œil à Lovecraft dans un passage, en particulier à Cthulhu. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe de Cthulhu, bien l'appel de Cthulhu, c'est une sorte de démon avec des tentacules qui siège dans les profondeurs de la mer, dans une ville secrète, et qui n'attend qu'une chose, c'est débouler sur le monde. Alors, ici, il y a un petit passage qui est dans une note en bas de page, qui est un souvenir. En fait, Solal, à la fin du livre, trouve une photographie qui traîne. Cette photographie, chez lui, il a plein d'œuvres d'art, des œuvres, il a beaucoup d'estampes japonaises. Et puis, il a aussi un masque Fang, qui vient du Gabon. Les masques Fang, c'est des masques qui sont faits pour chasser les sorciers. Et ce masque, à un moment donné, il le retrouve avec une photographie glissée dans la bouche, comme ça. Et il tire cette photographie et voit que c'est une photographie de lui, qu'il avait complètement oubliée. Elle est très ancienne. C'est une époque où il n'avait pas de cicatrices, il avait ses deux yeux, il était en pleine forme. Ça le ramène à une période vraiment passée de son existence et il a eu plaisir à la voir. Mais elle est un petit peu particulière, cette photo. Alors, on va voir, enfin, je vais vous dire en quoi. Cette photographie avait été prise par Jacques, dit l'ancien. Une nuit où nous étions tous dans la zone étrange, où nous conduisait parfois l'ivresse, 4 heures du matin, relief de cerfs et de chevreuils tirés la veille même sur ma table de bois, complètement, profondément saoul et très lucide à la fois. J'étais allé chercher une dernière bouteille dans l'armoire, qui est au fond de la cuisine, au bout de petits couloirs en forme de L. En ouvrant les panneaux de bois fendu, un reflet inattendu contre une vieille soupière, héritage grand-paternel, avait capturé mon œil, et j'étais soudain resté pris dans une vision qui me fit froid dans le dos. Il y avait une planète noire et rouge qui tournait dans l'espace vide, glacial, et derrière, une immense masse tentaculaire menaçante. Puis,
dans mon dos, on gueula, et je parvins à fermer le panneau et à m'enfuir avec la bouteille. La photographie avait été prise juste à ce moment-là. Je devais être encore un peu ailleurs, car j'y faisais vraiment une tête étrange. Surpris, effrayé et soulagé, comme si la vérité était dévoilée, tout cela à la fois. Alors, voilà. C'est une toute petite allusion, et puis, alors, du coup, bah, je reviens au fil que j'ai tiré tout à l'heure, donc l'histoire du gâteau avec des formes qui ne sont pas, qui ne répondent pas à la géométrie euclidienne, c'est ça. Quand Lovecraft décrit des endroits fantastiques et étranges, il dit toujours la cité, la construction ne répondait pas aux règles de la géométrie euclidienne pour dire qu'on n'arrive pas à se le représenter. Donc j'ai fait un clin d'œil à ça avec le gâteau de devant, parce que j'aime bien aussi tirer les choses vers le bas. Alors, de tentacule en aiguille, puisque j'en parle, j'arrive à la fin. Et à l'influence, peut-être l'influence principale. Sola Larnavitch est féru de Japon. Il adore le Japon, il a une quantité énorme d'objets qui sont relatifs au Japon chez lui, notamment toutes ses estampes, des objets, des armes, bref, il a une sacrée collection d'art qui est en rapport avec le Japon. Alors, moi j'ai vécu un an au Japon, il y a maintenant pas mal de temps, en 98 et en 99, et c'est un séjour qui m'a beaucoup marqué, et bon, voilà, histoire de retomber aussi sur mes pieds, puisque j'avais commencé avec les rêveries du premier solitaire qui se passe sur une île. Finalement, ce que moi j'ai vécu là-bas, dans cette île au Japon, où j'ai fait du judo, donc je viens aussi avec la bagarre, ouais, disons avec le combat, eh bien, m'a beaucoup marqué. Et cela, lui aussi, est beaucoup marqué, si vous voulez, par le Japon, parce que sa carrière d'universitaire naissante s'est achevée là-bas. Il a donné une fois une conférence au Japon, et il avait traduit un texte d'un auteur japonais, et puis il y a quelqu'un dans l'assemblée, et j'espère que ça va pas se dire maintenant, qui a dit « Non mais attendez, ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Le texte dont vous parlez n'existe pas, c'est un faux. » Et il le prouve sur le moment. Et cela, dans ce coup, est balayé au Japon. Son honneur en prend un sacré coup. Il se rend compte qu'il a fait un travail universitaire sur un texte qui est un faux. Et donc, du coup, ben, voilà, son aventure universitaire se termine au Japon. Donc, le Japon a pas mal d'importance pour lui. Et, bah, ma foi, je fais plusieurs clins d'œil au Japon. Et j'ai décidé de vous lire peut-être le plus représentatif d'entre eux. Alors, au début du livre, Solal se rend à Barcelone. Il a un ami qui s'appelle Joris, qui est libraire, qui a libéré les livres anciens. Et ce Joris lui a écrit pour lui dire « Écoute, j'ai un bouquin, là, il faut que tu viennes parce que c'est une édition extrêmement rare. » Et Solal se rend là-bas et il fait l'acquisition d'une édition extrêmement rare d'Arbourg, de Huysmans, qui est une édition qui est difficile à trouver, qui n'existe qu'en 4 exemplaires. Et l'exemplaire qu'il lui propose est en lui-même extrêmement particulier. Quand il le manipule, il voit qu'il est illustré, qu'il est imprimé sur du papier d'une très très grande qualité, que la couverture est faite d'une manière extrêmement particulière. Bref, cet objet le fascine d'entrée de jeu. Et à partir du moment où il en fera l'acquisition, il l'appellera « mon précieux Huysmans », ce qui est quand même une autre allusion. Et ce précieux Huysmans ne le quittera jamais. C'est un achat, le montant n'est pas révélé, mais qui lui coûte c'est énorme, ça lui coûte une fortune, il doit vraiment racler jusqu'au fond de ses poches pour pouvoir se l'acheter. Et suite à cet achat, il se promène dans le quartier d'Elborn à Barcelone, il a des livres avec lui, et il se met à boire, et il est pris d'une sorte de... On ne sait pas si c'est une hallucination, si c'est vrai, mais il a l'impression de voir Pénélope, la mère de son fils, qui se multiplient, elles sont souvent plusieurs, elles l'attaquent, elles lui donnent des coups. Et lui, comme pour parer à ça, il boit, il commande des cocktails, il aide le serveur, et sur sa table, les verres s'amoncellent. Et il arrive un moment où il n'en peut plus. Et parallèlement à ça, il n'a pas envie de vomir, mais il y a quelque chose qui gonfle en lui. Il sent que son ventre, comme ça, il dit qu'il y a une pulsion en lui, il y a quelque chose qui le remplit et qui devient insupportable. Alors, il faut qu'il trouve une solution. Tout honte bu jusqu'à la lie, ce n'était pas un problème pour moi, j'aurais pu donner une conférence à ce sujet, je dus fuir. Il n'y avait pas d'autre solution. Je laissais de l'argent dans une soucoupe après avoir discrètement subtilisé un couteau de marque japonaise à une table voisine. Il était bien coupant, visiblement tout neuf, du beau travail, sans doute en partie fait à la main. Dans un effort gigantesque, je parvins enfin à me lever alors que ma table tombait dans une explosion de verres brisés. Il devait y en avoir une bonne quarantaine. Autour de moi, on jetait des cris.
Je serrais convulsivement mon livre contre moi, le couteau à la main, et je quittais la terrasse en vociférant des excuses dans ce que je croyais fermement être du catalan. En boitant, à la limite de l'écroulement, je m'appuyais contre les murs et je me glissais dans une longue ruelle très étroite, une sorte d'interstice entre les immeubles, qui menait dans une cour intérieure. De vieux livres jonchaient le sol pavé, et au milieu, un puits assez large, surmonté d'un arceau en fer ouvragé, s'ouvrait sur les profondeurs de Barcelone. Il faisait frais, c'était agréable, mais cette pulsion remplissait maintenant mon corps entier et le déformait sous la force d'une pression intérieure énorme qui écrasait les organes contre ma cage thoracique. Mon ventre était rond, tendu, démesuré, comme celui d'une femme enceinte. Même mes yeux semblaient vouloir bondir hors de leurs orbites. Pris d'une nausée salvatrice, je vomis soudain très fort, tout droit devant moi, pendant presque une minute. Une jolie quantité d'alcool et quelques tapas qui flottèrent un instant à la surface d'un lac bilieux avant de couler. Je parvenais à grand-peine à contrôler mes gestes, mais je pus encore poser mon précieux vissement sans sécurité au sommet d'une petite pile de livres. C'était déjà ça. Ensuite, réunissant toute mon énergie et toute ma volonté, il me resta juste assez de lucidité, de courage et de force pour m'ouvrir le ventre d'un geste précis. Je ne voyais que ça à faire. En tout cas, sur le moment, ça me semblait évident. J'avais planté le couteau profond et il était rentré facilement, comme dans de la gelée. Mes abdominaux n'étaient pas au meilleur de leur forme. Puis j'ai tranché ma chair de gauche à droite, sans rencontrer de résistance. Il n'y a rien à dire. On peut toujours compter sur une lame japonaise. Ces gens s'y connaissent en découpage de toutes sortes, on le sait bien. En hurlant, plutôt pour m'encourager, je ne souffrais pas vraiment, mon corps était trop à bout pour me transmettre encore des sensations. J'arrachais à pleine main cette pulsion ignoble et visqueuse qui me déformait le corps. Elle coula sur les pavés avec un bruit flasque. T'es mouillé. Elle coula sur les pavés avec un bruit flasque et mouillé. Je venais d'extirper de mes entrailles tourmentées une pieuvre d'une taille assez respectable. Elle devait en tout cas peser dans les 7 à 8 kilos. Elle remuait avec une vivacité effrayante sur le sol de la cour, et projetant ses tentacules autour d'elle, elle chercha aussitôt à m'agripper pour se hisser à nouveau en moi par la plaie béante que je venais d'ouvrir dans mon ventre. J'eus presque l'impression d'entendre son cri strident qui me transperça les oreilles. Je compris instinctivement que nous avions tous les deux très peur de mourir. Comme nous ne partageons rien d'autre de crucial, je hurlais à plein poumon de terreur cette fois quand, avec ses ventouses plaquées à ma cheville, je la vis s'avancer vers moi. Son bec coupant claquait sporadiquement entre ses tentacules. Avec, au sens propre, l'énergie du désespoir, une expression certes galvaudée, mais qui en ce moment prenait un sens très réel à mes yeux écarquillés d'horreur, je la frappai à coups frénétiques de talons de toutes mes forces, du moins celles qui me restaient. J'eus tout de même une pensée émue pour mes chaussures qui ne sortiraient pas, sans doute pas indemnes de cette confrontation inopinée. Elle finit par me lâcher, et je rampai péniblement dans un coin de la cour du côté des livres. Assez peu confortablement assis sur une traduction espagnole d'un livre qui portait sur Mishima, est-ce que quelque part en plus haut et respectable lieu on se moquait de moi, les mains serrées sur le ventre, je vis la pieuvre blanchâtre s'enfuir en coulant par le puits. On aurait dit une monstrueuse mort douée de vie. Alors que je pouvais enfin m'évanouir calmement, dans une paix vaguement retrouvée, baignant dans mon sang tiède et mes fluides corporels, qui collait à gros bouillons sur les pavés, j'entendais la voix du garçon qui éructa. Et toi, le connard là-bas, oui, toi par terre, il me manque 30 euros, tu crois quoi, hein? Je vais pas t'inviter, je travaille moi, je ne suis pas en villégiature, je ne supporte pas les ivrognes de ton genre. Attends, on va parler tous les deux. Alors qu'il me rejoignait dans la cour à pas rapide, j'aperçus comme en surimpression sur ma rétine, hallucination due à tout ce que j'avais ingurgité, puis dégurgité, une jolie femme aux cheveux blonds, tenant fermement un petit garçon par la main, ses petits doigts tout écrasés dans sa poigne crispée. Elle semblait chercher un homme, mais elle ne le trouvait pas. Le petit garçon disait « papa » en tournant la tête de tous les côtés. Derrière eux, Elisa, qui connaît les autres passages, rayonnante, faisait du yoga tranquillement. La salutation au soleil, une lampe frontale sur la tête. Elle souriait, assez sûre d'elle. Je vis encore le gros chat d'hôtel. Il lapait mon sang avec sa langue rose, râpeuse, à toute vitesse. Il croqua aussi un ou deux tapas que j'avais avalé tout rond. Quand il eut fini, il s'assit devant moi avec son museau tout rouge et tout souillé, et me regarda en ronronnant, les yeux plissés. Pour ma part, je n'ai pas le temps de féliciter le serveur. Pour son excellent français. Il venait à peine de surgir dans la cour qui me lâcha un coup de pied rageur dans la mâchoire. C'était peut-être mon dernier contact avec ce monde plein de couleurs et de sensations fugaces. Et je regrettais beaucoup de vivre cette expérience unique dans un costume sale, froissé et taché de sang. Je me dis avec philosophie, une main crispée sur le ventre, l'autre tenant fermement mon livre, qu'on ne maîtrise jamais tous les paramètres, surtout quand on boit trop et qu'on ne paye pas assez. Voilà. Alors, j'ai terminé de dire ce que j'avais à lire.
voilà, j'ai fait un petit peu, enfin, pas trop long parce que je sais qu'il fait chaud et que c'est pas trop évident de subir des lectures comme ça. Mais si vous avez des questions ou à la rigueur quelques insultes, ben, parfois c'est dans l'esprit, hein. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Je voudrais juste que tu me dises, en fait, entre le blog et le livre, il y a une chose qui est extrêmement différente dans ton approche, c'est l'humour. Le blog ayant été quand même assez dur, de ce que j'ai pu lire, est-ce que tu penses que c'est le fait d'avoir relu tous tes textes et donc d'avoir pris cette distance, parce qu'il y a manifestement cet humour de distance, cet humour d'autodérision, ou est-ce que tu penses que c'est inhérente à ton personnage que tu n'aurais pas pu inventer? Alors, bon, je pense que j'ai pris une petite partie du blog, c'est-à-dire que les aventures du blog, elles s'étalent en quatre grandes parties. Elles se passent à Genève, elles se passent à Berlin, elles se passent à Venise et au Japon. Et puis pour faire le livre, j'ai gardé que les parties genevoises. Alors, au fur et à mesure où on avance, j'avançais dans la rédaction du blog, de plus en plus, surtout à la fin, c'est devenu entièrement, complètement fictionnel. Et à la fin, il y avait quand même des touches d'humour. Mais au moment où je me suis mis à écrire, un petit peu instinctivement, je me suis mis j'ai essayé en tout cas d'utiliser un style qui mettait de la distance avec le sujet. Je ne voulais pas qu'on soit le nez dans la bagarre, le nez dans le sang. Ou les pieds dans le sens, comme c'est le cas maintenant, on est tous sur du rouge, je voulais qu'on prenne un petit peu de la distance. Et j'ai pensé que et l'humour et le style pouvaient aider à faire ça. Et puis, j'aime bien aussi l'idée de tirer des icônes vers le bas, comme je fais par exemple avec Superman, je dis qu'il est extrêmement puissant, mais il y a ses bottes qui plissent. Je voulais garder cette espèce d'équilibre entre un sujet qui se veut peut-être épique, et puis de l'humour pour prendre à la distance, tout comme les notes, elles sont là pour ça, les notes en bas de page, il y a un certain nombre de notes en bas de page, elles sont là aussi pour prendre de la distance, et elles-mêmes, enfin, je trouve, elles participent du processus humoristique. Faire des notes en bas de page pour une histoire pareille, c'est un petit peu décalé, ça ne s'y prête pas. Donc voilà, ça aussi, ça appartient à l'humour que j'ai essayé de glisser de mettre dans le texte. Oui, excusez-moi. Joël Carré avait écrit un bouquin sur l'affaire Jeanmain, qui parlait de la Suisse, donc, et qui s'appelait Une paix insoutenable. Oui. Et moi, en écoutant ce que vous avez lu, j'ai eu la sensation d'une écriture psychosomatique, comme ça. C'est-à-dire que le corps, bon, il est. Il est pas mal esquinté, le soleil. Et donc, comment ça se fait-il que, comme ça, dans un monde quand même un peu... où il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'administration, enfin, ou le corps, quelque part, il y a une décorporalisation comme ça. Vous êtes dans une surcorporalisation, enfin, moi je l'ai entendu comme ça, où tout doit s'exprimer par des enlèvements ou des changements corporels. Voilà, c'est vrai que la place du corps et la place du corps malmené occupent une place centrale dans Solal Arnevich. J'avais cette idée préconçue qui m'a été imprimée par une autre de mes sources dont j'ai pas parlé maintenant parce qu'il n'y avait pas de mes influences dont j'ai pas parlé parce qu'il n'y a pas de passage précis dans le texte, c'est Jodorowsky. Alessandro Jodorowsky, c'est un scénariste de bande dessinée, et c'est aussi bien d'autres choses, et c'est de manière assez amusante. C'est un personnage sur lequel mon épouse et moi nous sommes rencontrés, parce qu'elle connaissait le thérapeute, elle connaissait l'écrivain, et moi je connaissais le scénariste. Et on s'est dit, mais ça c'est incroyable en fait, on connaît le même personnage, mais différemment. Et Jodorowsky a écrit une bande dessinée, scénarisé une bande dessinée, au cours de laquelle son personnage principal se voit peu à peu, à chaque album, il perd une partie de son corps. Et il réduit un homme tronc. Et c'est une bande dessinée que j'ai lu il y a très très longtemps, et j'avais toujours eu envie d'écrire un roman dans lequel
le personnage s'est un peu démembré. Alors là, je le fais de l'intérieur. Et de nouveau, pour reprendre ce que vous dites, cela évolue dans un monde qui est plutôt où le corps ne doit pas avoir de place. Hein, je me souviens très bien, la première chose qui m'a été dite au moment où j'ai commencé à enseigner, il y a longtemps, j'étais inscrit au service des remplacements, et celui qui à l'époque était le directeur du fil d'orientation avait dit, il avait dit deux mots, et écoutez, alors voilà, première chose qui est très importante, en aucun cas ne touchez les élèves, ne touchez jamais les élèves. C'est la première chose qu'il avait dit. Je me dis, c'est quand même marrant, comme entrer en matière, de donner ce conseil-là. Et donc, dans l'enseignement, le corps est effacé, alors, enfin, de vrai, mais c'est clair qu'il prend de la place, parce qu'on travaille avec son corps. Moi, quand je parle, je suis debout, je me déplace, je désigne des gens. Donc, le corps est mis en parenthèse. Et le fait de faire tout sortir, parce qu'il vomit, etc., donc l'intérieur vient à l'extérieur, le fait de blesser son corps et de mettre ça au centre de l'histoire, alors qu'il fait un métier qui n'est pas du tout en rapport avec ça, eh bien, c'est une manière de nouveau de prendre de la distance et de faire du décalage et de montrer que cela, là, n'est pas du tout adapté au monde dans lequel il vit. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on pense de lui, c'est son lieu de travail. Moi, j'ai une question. Vous entendez parler des super-héros et des mythes très anciens. Le début m'avait fait pas mal rire. Il y a une scène qui est un peu dans le mythe, dans l'atmosphère des films de zombies. Et j'aurais été curieuse de vous entendre justement sur ces figures de zombies par rapport notamment à ces super-héros. Est-ce que c'est des choses que vous avez pensées ensemble ou... Alors, ouais, c'est une question qui est intéressante parce que vraiment le début du livre, le premier chapitre avec effectivement, il y a un parallèle, hein, je dis qu'il y a des personnes âgées, cela va faire des courses dans son magasin préféré, et puis il y a plein de personnes âgées qui sont devant lui et il compare à des zombies, et puis il veut les bousculer pour arriver le premier. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai écrit pour le livre, et j'ai un peu cherché, t'as raison, une scène inaugurale qui pourrait convenir au personnage, qui serait frappante et qui serait en lien avec les thèmes qui l'intéressent, donc dépenser de l'argent, acheter des choses, etc. Et pour introduire la violence. Donc c'est quelque chose que j'ai écrit vraiment assez tard par rapport à d'autres textes du blog, qui sont dans le livre, comme par exemple La Bagarre, et d'autres que je n'ai pas lus, qui sont vraiment très anciens, enfin qui remontent à quasiment 2008. Donc maintenant, c'est une idée que j'ai eue comme ça. Je dois reconnaître que, contrairement à certaines de mes sources d'inspiration, je ne suis pas un fan des films de zombies. J'ai assez rapidement peur et je trouve ça pas joli à regarder. Mais je ne regarde pas de films d'horreur et je ne lis pas des films de livres qui racontent des choses horribles. Mais c'est, de nouveau, c'est comme le chien qui se précipite sur Rousseau. Ça m'est venu comme ça. Ça m'est venu comme ça. Voilà. Et puis, c'est aussi parce que j'ai été un peu influencé. Mon éditrice a joué un rôle là-dedans, dans le sens où quand elle a lu le livre, elle m'a dit « Ah ben c'est très American Psycho, c'est ce qu'elle m'a dit. Okay. » Et puis, moi j'avais lu ce livre il y a très longtemps, je l'ai relu pour l'occasion, hein, il y a plein de choses bien plus horribles qui se passent là-dedans, enfin, lisez-le, vous verrez, je ne sais pas si vous arrivez au bout, c'est quand même, le bouquin est fabuleux, mais il faut le digérer. C'est plutôt ça. Je me suis plutôt retrouvé là-dedans, dans cette image, enfin j'ai retrouvé mon solal là-dedans, dans cette image de Nugupi qui torture des femmes, etc., de manière absolument, absolument atroce. Ce que cela ne fait pas par rapport à la violence, j'ai vraiment l'impression que, même si lui déclenche des bagarres parfois, c'est toujours en réaction. C'est pas quelqu'un qui va chercher la violence pour la violence, il s'exprime pas comme ça. Il réagit, de manière des fois un peu excessive, au monde qui l'entoure. Mais disons, voilà, pour les zombies, je ne suis pas un immense spécialiste, mais. Ou la littérature qui est un peu là-dedans, alors oui, c'est Alice. Si vous n'avez pas. Enfin, ce que vous aurez peut-être qu'il serait temps d'aller voir. Yes. Ah, c'est non. Ouais. Donc, tu n'as pas beaucoup parlé de ton style, je pense que c'est ce qui m'a le plus ébloui là-dedans. Moi, cette manière de travailler le. Donc des phrases, et puis d'ajouter de l'ironie, contrebalancer au milieu de quelque chose de dramatique par des mots, plein d'humour. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de nouveau qu'on découvre, on compacte là-dedans. Donc, voilà, on en parlera à l'occasion. Ça, c'était une absence. Une autre absence, c'est peut-être celle des femmes. Je me pose toujours la question de voir où elles sont dans les sources d'inspiration, elles sont tellement là. Il y a Pénélope, qui est déjà une figure assez. Éthéré, comme ça, qui est une mère en l'occurrence, et puis le sexe,
n'apparaît pas, en tout cas dans ce que tu as lu, moi j'ai pas lu. Pas de sexe. Alors, ça veut dire que ça n'apparaît pas, ou est-ce que c'est une manière de traiter par l'absence Alors, je peux te répondre à tout. Ouais. Je peux répondre à tout. Alors, par rapport au style, il y a beaucoup de subordonnées, il y a beaucoup d'incises. Et donc des bouts de phrases des fois qui, ben justement, qui se télescopent et qui se contredisent les uns les autres, le haut, le bas. Ça participe du démembrement, le personnage est déchiré en morceaux de l'intérieur, et donc du coup la phrase, elle rencontre de ça dans le sens où parfois peut-être qu'il faut faire un tout petit effort, il y a tellement d'incises qu'il faut arriver à racoler les sujets, le sujet et le verbe. C'est quelque part un petit peu fait exprès parce que je découpe le texte comme le personnage est découpé, même s'il est découpé de l'intérieur, et puis ça permet aussi justement au niveau de prendre de la hauteur ou de la distance. En tout cas, c'est l'idée que j'ai eue. Ensuite, c'était pour les personnages féminins. Alors, c'est une remarque qui est intéressante parce que un de mes premiers lecteurs, qui était Jacques Zanetta, m'avait dit oh, c'est bien, j'ai jusqu'au bout, c'est sympa, mais c'est un peu violent, mais puis il n'y a pas tellement de personnages féminins. Hein, et ma foi, c'est vrai. Alors, il y en a un qui n'apparaît pas dans la lecture que j'ai faite, qui est un personnage qui est très important, qui est le personnage d'Elisa, qui est une figure qui va accompagner le personnage de Solal et qui peut un peu valider à prendre une nouvelle décision, prendre une nouvelle direction. Donc, il y a ce personnage-là qui joue un très grand rôle. Mais c'est vrai que... il y a beaucoup de... Oui, il y en a aussi un autre qui est la Céide, qui est un personnage féminin qui est terriblement négatif et qui en veut beaucoup à Solal. Ma foi, c'est vrai que c'est plutôt un roman dans lequel il y a des personnages masculins. À la fin, Solal fonde avec ses amis un club de factotum dans lequel il n'y a que des hommes. Et ma foi, ben, pour reprendre ce que j'avais dit au début pour ces heures de bagarre, c'est vrai que depuis que je fais du judo, ben, généralement, c'est plutôt ma copine qui se fait entre hommes. Il y a peu de filles. Enfin, dernièrement, je suis allé la semaine dernière, il y a plusieurs filles, mais c'est rare. C'est vraiment rare. Donc, c'est peut-être à cause de ça, je ne sais pas. C'est peut-être aussi à cause du fait, c'est vrai que littérairement, je n'ai pas du tout investi la sexualité. La question ne s'est même pas posée, en fait, ça ne m'intéressait pas. Je dois reconnaître que j'ai un peu réfléchi à la question et je me demande si toute cette violence n'est pas une forme de sexualité pour cela. Alors, je ne sais pas. Dans l'idée de faire venir l'intérieur à l'extérieur, dans l'idée, ben, ma foi, quand on va au bout de la violence, il y a une forme de fusion, hein, comme dans la sexualité. Et tous les gens qui s'occupent du cas cela vont à l'intérieur de lui, ils prennent des choses. Voilà, mais ça m'est jamais venu à l'idée de décrire des scènes de sexe, pas par Pili Bondry. C'est parce que, au niveau de mon imaginaire, ça m'est pas venu à l'idée. Je le reconnais. Et donc, du coup, parallèlement, c'est vrai qu'il y a une histoire d'amour dans Solal, mais elle est en filigrane, elle est de côté. Même si elle se poursuit jusqu'au bout. Et si c'est la compagne de Solal, Elisa l'accompagne jusqu'au bout. Voilà. Mais la référence à American Psycho me semble très étrange parce que je veux dire, là, c'est la technologie, c'est la mode, c'est... Oui, c'est, mais il y a aussi... Dire, voilà. Oui, non, mais des choses qui m'ont... Il y avait un aspect qu'on retrouvait aussi chez Alice, à savoir les costumes, les chaussures avec des noms de... Il y avait beaucoup de noms de marques, oui. C'est un aspect qu'ensuite j'ai gommé dans la rédaction finale du bouquin. Ah. J'ai un peu mis de côté et j'ai aussi fait un clin d'œil, d'accord. Mais je vous propose que nous poursuivons les clins d'œil autour des bouteilles qui sont en bas et qui sont celles qui sont en exergue du bouquin. Il y a du Claude, l'orateur, des pages en bas. Dépêchez-vous, il n'y a que 5 bouteilles.